Oula, je vais Et te comment donner il un coup de s'appelle? dé. Et Sky, par contre, il Ouh, est assez Eldamon, fort. mais Oh là! justement. Oh là! Netherman! Regarde, Netherman! Ça va être la mort! Gars, là, t'as Eldamon. Chéché! Attends, regarde, t'as Eldamon qui est juste au-dessus de moi. Est-ce que tu crois que les pigs, ils sont encore contre moi? Les pigs, bah forcément, oui. Bah, vu où je me suis cassé, je suis pas sûr. Je sais Et pas, en fait. Tarjop et Mister Fanax, ils sont super bien partis. Hein. Ils vont peut-être gagner. Il faut absolument qu'on mange rapidement parce que là, je vais mourir. J'ai plus que 2,5 gigots là. Galère. Ils se sont cassés super loin. Ça fait partie du jeu. Non, les pigments sont encore contre moi. Censure vite avec de la cobble, cobble. Stone. Et notre Oh, portail, Sky, donc il n'y on... a plus que 13. Faut le tuer, Sky. J'ai plus que 2 gigots. Sinon, on essaie de buter des pigs. Buter des pigmen. Pour avoir de la rotten. Ouais, mais... Non, bute toi-même les pigmen vu qu'ils sont énervés contre toi. On va faire une ferme à pigmen et je vais me nourrir de ça, c'est hyper important. Comment veux-tu qu'on fasse une ferme? Bah... Facilement, tu mets de la cobble autour de toi sur 2 blocs de profondeur et puis... Ouh, j'ai plein de pigs au-dessus de moi. Ce que tu fais, c'est que... Je sais ce qu'on va faire. Attends, Viens, viens par regarde, là. attends, regarde, on va faire ça. Ouais, c'est ce que je pensais. Éloigne-toi dès que t'as cassé le bloc, par contre. Hein. Tu casses le bloc du haut et tu t'éloignes et on va tous les buter et ça va être génial ici. Mais moi, je vais pouvoir manger. Sauf qu'ils sont pas fous, ils vont... Si. Attention, attention, attention! Oh, non, il y a un bébé! Putain, le bébé! Oula, t'es à combien? Pas beaucoup. Attends. Bon, tiens, la bouffe déjà, t'as un Partie peu de du rotaine. jeu. Donc, elle est où ma rotaine? Putain. Attends, là j'ai plein de Netherrack, Bordel, mais pourquoi je peux pas Netherrack, la ramasser? Netherrack, Netherrack. Netherrack. Bordel, mais pourquoi mon fais gaffe! C'est bon, j'ai pu manger. Et j'ai un diamond. Par contre, là, moi, j'ai grave besoin de bouffe. Ah, auré, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. Ça va vraiment poser problème. T'es qu'à 6. Fais gaffe. Et pour les bébés, on aurait dû poser, crafter une slab et la poser. L'action se déroule sans nous, c'est un peu bête. Un autre. Il drop rien. Éloigne-toi et puis si jamais il y a des pigmen, des bébés, mais... Ah! Galère. Fight en 0-0 évidemment, sauf qu'on s'est énormément éloigné du portail. Ça va pas être possible ça. Oh là là, je suis presque mort. Oh non, je veux pas finir la série tout seul. Je vois plus leur pseudo là. Là. J'ai juste cassé par là-bas, mais... Et les pigmen qui nous sont encore hostiles. On peut plus rien faire là. Je crois que j'en ai un qui seul qui me suit, j'essaie de l'avoir. Peut-être que Califor a fait couler de la lave sur Netherman, mais c'est le jeu! C'est le jeu! Califor n'avait qu'à pas faire couler de la lave sur Netherman. Ritamine, alias Califor.
Oh là là, j'ai la sueur qui se dépose sur le clavier, c'est ce qu'il a devant un lag. Ah, il reste plus que un pigman. Tu peux essayer de l'avoir, s'il te plaît, parce que là, sinon, je vais... Bah oui, mais sauf que je vais tous me mettre à dos. Faudrait que tu te mettes à distance. Ah ouais, bah, je vois ce que tu veux dire. Essaye de bien gérer celui-là, et puis après, ce sera fini. Ouais, et en plus, il n'y en a pas autour, je crois. Ouh! Bon. On est pas si bien à ça tombé, sur cette chaise. De pigman. Coucou. Il est tombé? Non. Fais gaffe, fais gaffe. Tu vas mourir. Allez? Ah, oh, tu m'as fait peur, putain. Non, pourquoi il y a un bébé qui spawn là? Il a rien à foutre ici, il n'y avait pas de bébé. Espace disque faible. Oh non, je vais pas pouvoir filmer jusqu'au bout. Oh non. Attends. Désolé les gens, je peux pas du tout filmer la fin. Non seulement je lag à mort, mais en plus j'ai plus du tout d'espace sur mon disque. Donc je filmerai plus qu'à des moments intéressants, mais je pourrais vraiment pas le faire. Hein. Et puis il y aurait les morts accessoirement. Hop, là je rentre dans le monde réel. Je remonte à la surface. C'est bon, je suis arrivé à la surface, je vais chercher des gens. Et d'abord de la nourriture. Petit point sur les événements. J'ai eu la chance de retrouver de la nourriture et puis les gens commencent à avoir très peu de vie. GG pour Kiki35 qui a été tué par un zombie. I'm on a boat! Je vais en 0-0 fighter des gens. Ok les gens, j'arrive au spawn. Normalement les gens ils sont. Et au pire s'ils sont pas GTP. Ok, donc voili voilou. Et quasi saturé. Enfin, je m'ai excédé, mais c'est pas si drôle en fait. Je vais peut-être pas pouvoir filmer le fight final, c'est quand même gênant. Oui. Bah ouais. Je vais faire une ellipse jusqu'à ce que des gens arrivent après tout. Mort de Tinjoff. Mais j'ai... Putain, je vais le buter là-bas. Trop long. Non, j'ai tout cassé. Ah non, c'est bon. Eh, fais gaffe, hein. Donc, oui, je précise pour les viewers. Wow. Eh, qu'est-ce que t'as fait? Il était au spawn, je l'ai buté. Ah oui, bah ouais. Ok, ça compte pas. Donc, je vous reprends, les gens. Bah, je vais vous relaisser immédiatement. Donc, Auré en vocal avec moi. YOLO. La la. Bon bah quand on réduplique des têtes, ça donne ça. GG à cause du lac je pense, ou bien alors qu'il a fait une Harry. Non, je prends des trucs quoi. Il a dû faire une Harry. C'est de base. Ah bah. Les blocs sont réapparus sur lui. Ah bah c'est, il est mort à cause du lag, mais bon, je sais, une fois qu'il est mort, on sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est trop tard. C'est trop tard. Trop tard. Tristesse et boule de Noël. J'ai profité qu'il soit là. Non, non, je mets pas tout de suite en créa. Lololol. Tiens, maintenant j'ai des têtes de ska. Ok, paf.
Alors, tiens, un stack de têtes de sky, c'est tout. Change un petit peu avec les têtes de squelette là, parce que c'est bon. Non, les têtes de sky Z. Attends, je vais les prendre, je vais les jeter. Ça va faire flipper les gens quand ils arriveront ici. Bon, bref, je vais couper le record parce que sinon ça va saturer mon disque avant la fin. Attention. Il est dans derrière la butte de terre. Quelle butte de terre? Salut, Mr. Frolox. Attention, le combat épique de la fin. Il y a un arc. Là, je crois. Il a un arc. Attends, tu vas le battre. Tu peux le battre. Il est juste stuff faire. Vas-y, Max. Tu dis pour lui, vas-y. 7-4, c'est bon. C'est bon, tu peux le battre. Il est où? Je l'ai eu. J'ai eu Mr. Fanax. Ça doit être fulgurant son point de vue. Bon, bah c'est GG. J'aurais vous c'est une pomme. Eh, y'a une pomme d'or. Une pomme cheat. C'est une pomme cheat. Ya. Bon. Reste que Eldaimon. Je vais la mettre en raconte d'ailleurs. Bloc de la pisse. Il est où Eldaimon? Je supprime le stuff qui servait à rien. Hein. J'ai gagné du temps. Ouh, bah ça a été beaucoup plus épique que les autres fois en tout cas ce KTP. Bon, je vous rejoins quand Eldaimon sera là. Bon, Donut c'est horrible, faut pas croire. Ah ah lol. Bah oui, ils arrivent. Bon, bah on attend toujours. Tu veux me battre par IP si tu veux, hein. Ah oui, c'est mais vrai. Ça sert à rien. Bonne IP. Ben IP, forcément ça marche. Ah oui, t'es sûr? Je peux changer mon IP. Donut. Oh, regarde, 2 secondes. Alors, je mets un IP. Tiens, un IP de chance. Bon. Déjà, ça c'était même pas mon pas IP. Hein. Ah, je sais pas, mais je m'en fiche. Bref, non, Auré. Hello, chut. Il y a ma chienne qui est derrière. Bref, oui, donc on attend que Kiki45 va TP Eldaimon pas loin. Parce que attends deux secondes. Faut que je fasse un truc très important avant. Ouais, attendez. Bientôt le combat final qui d'Eldaimon ou de CLB35 gagnera ce Kiss Patrick spécial. Yo les gens, donc ce coup-ci. Ah ouais, bah attends. CLB, t'as un Nathan comme contact? Oui, je l'ai. Donc... Bah, tu peux l'ajouter à la conférence, s'il te plaît? Évidemment, avec plaisir. Ouais? Ouais. Ok. Et donc, donc c'est parti pour le combat final, là. C'est le l'ultime fight. Je mange avant. Bah, tiens, il est où, Eldaimon? Il était là il y a 2 secondes, il a disparu. Bah, on l'a TP. Ah d'accord, bah je peux. Tu peux me TP aussi 2 secondes. Si cela ne te dérange pas. Je me découvre quoi, parce que ça se trouve je te verrai même pas. Yup, j'ai eu peur, je crois que c'était le Eldaimon. En fait non c'est bon, j'arrive. Bon. Il est où? Il est où le Eldaimon? Le combat final, attends, c'est le combat final. Faut le combat finaler. Faut finaliser le combat. Mais ça ouais. Se fait pas, j'ai pas le droit de le voir. Ah. J'arrive. Attention, le fight final. Je te fais. Oh là là, il est méga. Putain. Oh wow, gros GG. Il lui reste combien de vie? 2. C'est super épique. GG, c'est la fin, c'est une grande victoire d'Eldaimon pour ce KTP. Deuxième, bon, je suis content aussi. Hein. Allez, bon, bah, sur ce, merci d'être 50 à nous suivre. Et on va vous dire au revoir. My name is SkyZ20. Merde. Ah, fais chier, j'ai trop de trucs dans mon inventaire.
GG, bon bah sur ce, je vous dis au revoir, c'était CLB. Et n'hésitez pas à aller voir le point de vue des autres. Voir le point de vue des autres. Voir le point de vue des autres, évidemment. Gros GG. GG. Ça va exploser, vous allez rien comprendre de vos vies. Oh mon dieu. J'ai Allez, une petite chanson pour sa victoire. Allez, vas-y. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Woohoo! And in my heart of darkness, she is standing right in front of me. Et merci pour les 50. Où est-ce que vous faites de rien, de rien. C'est un plaisir. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Oh, merde. Whisper words of wisdom. Let it be. Yeah. GG, merci du visionnage, et merci pour les 50 abonnés. Et sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB. Attendez, il manque la dernière explosion de la fin. Réussi à m'auto-bannir. Réussi à m'auto-bannir, au revoir.